Alors, les The Hostigues, Tristan, c'est un des groupes phares de la scène bretonne. Tout à fait. Et ils ont la spécificité d'être vraiment avant-gardistes. Ils ont été les premiers à mettre en scène et à chorégraphier la danse bretonne. On veut qu'elle soit vécue comme une danse à part entière. On va chercher d'autres choses puisque c'est un outil d'expression, la danse comme un autre. On s'aime pas tous, mais il y a quelque chose qui nous lie, qui est au-delà de l'amitié, au-delà de la danse, c'est la famille, quoi. C'est ce qui peut motiver tous ces amateurs à se surpasser pour faire quelque chose un peu hors du commun, vivre des sensations, vivre des émotions que qui n'aurait jamais vécu ailleurs. Tu contrôles plus trop ce que tu fais, c'est comme un peu une drogue. Il faut savoir se livrer, il faut savoir se mettre à nu. Il y a un moment qui nous plaît plus qu'un autre et qui va faire qu'on va perdre complètement pied. Deux infirmières, un opérateur sur une chaîne de production, on a un marin, on a une institutrice, on a vraiment de tout et ça m'a toujours fasciné l'énergie qu'on pouvait dégager ensemble. Quand les gens ont envie d'être ensemble, ils peuvent vraiment déplacer des montagnes, quoi.